Donc voilà, on se retrouve sur Far Cry 3. Donc là, je suis tout au début, je viens de vider le camp. Donc, graphiquement, bah, c'est vraiment très beau. Vraiment. Bon, ça charge un peu, là, c'est pas au top à cause des performances du PC. Mais bon, voilà, pour un petit aperçu. Juste très rapidement, là, le crafting. C'est impressionnant tout ce qu'on peut faire. Il suffit de récupérer des feuilles comme il faut et hop, on peut fabriquer des remèdes ou alors des lustres pour avec des peaux de chèvre, des cartouchières. Enfin, c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire pour améliorer bah, ce qu'on peut emporter, ce qu'on peut emporter comme balles, comme seringues et ainsi de suite. Donc, tous des sacoches explosives par exemple. Il faut des peaux de chèvre, bah oui. Voilà, des compétences, l'arbre de compétences spécial héron. Donc à chaque fois on a un tatouage qui va grandir sur notre bras. À chaque fois qu'on débloquera, à force d'expérience, qu'on débloquera une compétence. Le héron, je crois que c'est plus le commando, quoi, se soigner, tirer précisément, faire des takedowns dans des exécutions. Le requin, plus endurance, résistance au pages, voilà, blindage par exemple. Et l'araignée, c'est plus, je crois, si j'ai bonne mémoire, voilà, c'est plus être silencieux, accroupi, nager sous l'eau, mieux récolter, voilà, avoir plus d'argent, plus furtif, on va dire. Voilà. Le manuel, hein, il n'y a vraiment pas à dire, c'est très complet, descriptif de chaque chose, des personnages, de qui est qui, ainsi de suite. Aussi les reliques à collectionner, un peu comme dans GTA, les cartes disparues, enfin tout un tas de choses. Si j'ai bien compris, il y a un panneau dans lequel on peut récupérer des missions. Donc je peux. Voilà, il suffit de exterminer des chiens enragés. Cette mission-là, il y en avait une deuxième, bah c'était au choix, c'était soit l'une soit l'autre. Donc j'ai un nouveau point où aller avec un didacticiel très présent. Je trouve que l'interface est un peu trop encombrante, mais bon, avec en haut à gauche, voilà bien ce qu'il faut faire, et en bas à droite, la grosse map qui est presque au milieu de l'écran. J'ai entendu des cochons là, je sais pas si on peut pas en tuer. Non, bah, apparemment, ils sont tous partis. On va prendre la voiture et se rendre au point. Demander. Je compte pas trop s'énerver, même si c'était raconté par tout le monde. En tout cas, le début de l'introduction est prenante. Hyper prenante, on va tout de suite. Ça c'est vraiment force et la mise en scène vraiment impeccable, c'est très propre. Carrefour, pour l'instant je peux porter qu'une seule arme, donc je vais être obligé d'échanger. Malheureusement, la musique est très 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 forte, je trouve, et on peut pas régler. On peut juste régler le volume en général. Voilà. Ça c'est un ours. Ah oui, ok, sur la map j'ai la zone en fait sur laquelle ça se passe en bleu.
c'est. Bah... Oh là, ça chie. En fait, ça n'arrête pas, quoi. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Un chien, là. Il y a toujours des tas de trucs à voir, à attraper, à faire, à collectionner. J'entends que je suis arrivé. J'espère que ça va pas être des méchants. Hé, l'ami, j'ai besoin de vous parler. C'est une mission où je dois tuer quelqu'un, un pirate qui braconne au couteau, selon la méthode Rakaï ou l'artificiel W. Ok, on va faire ça. Ils sont plusieurs. C'est qu'on peut pas transporter les cadavres. Ça, c'est bien emmerdant. Ça doit être des rebelles qui nous cherchent. Tu vas y arriver. Je tourne en rond. Bon.
mauvais niveau hein, au début, donc il tire très très mal. Je suis mort, enfin je crois que la vie elle remonte tant qu'on n'ait pas une barre de balle de perdu, une barre de perdu. Il faut pas que je le tue si je vois. La nuit baisse. Merci les amis.